Hello, welcome back to my channel. J'espère que tout le monde va bien. Comme je vous avais promis, voici un décor pittoresque. Je suis autour d'un presbytère désaffecté. Yes. Sur mon trône de fer, comme vous pouvez l'observer. Non, je rigole. Mon trône de béton. Mais je suis vachement raccord au niveau des teintes. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça pète. Comme vous le savez, je suis en vacances, donc ça va forcément bien. On fait bronzer les gambettes, tout ça, tout ça. Il y a un petit peu de vent comme à chaque fois que je vous tourne à l'extérieur. Vous voyez, donc j'espère que vous allez entendre à chaque fois ce que je dis. Sinon j'essaierai de faire un maximum pour mettre le son à fond. Je l'avais tourné hier, mais en fait je me suis fait surprendre par le noir. En fait, tout simplement, la nuit est arrivée plus vite que je ne le pensais. Donc je la retourne ce matin. Première fois de ma vie que je retourne une vidéo. Je suis un petit peu émue. Comme d'habitude, les petites notes. J'avais oublié mon cahier en vacances, mais j'ai trouvé une feuille, donc je m'en suis sortie. Donc, aujourd'hui, bon, ceux qui sont sur Instagram le savent déjà, comme je vous l'ai déjà dit, suivez-moi sid.uzl, parce que sur Instagram, je vous ai fait un petit sondage. J'aime bien faire ça avant mes vidéos. Et je vous ai demandé, parce que je me suis dit, on va rigoler aujourd'hui, vos pires anecdotes, voilà, concernant vos trajets, vacances, départ, ce genre de choses. Et j'en ai fait trois grosses catégories. Donc, enfin 4. On a la catégorie nourriture. Me connaissant, c'est évident qu'il allait en avoir une. La catégorie ridicule en public. On a des pépites. Hein. La catégorie gêne en solo, en solitude. Donc quand je dis solo, c'est pas forcément tout seul, mais bon, on est 2, 3, ça passe. Et la dernière, c'est la minute intégration. C'est pour moi, c'est cadeau. Je voulais aussi vous remercier, s'il y en a qui me suivent ici aussi sur TikTok, pour l'engouement, parce qu'on est à plus de 1900, je crois. En sachant que la semaine dernière, je vous disais qu'on avait déjà atteint les 1000 et c'était fou, parce que ça faisait à peine une semaine que j'avais TikTok. Donc suivez-moi aussi sur TikTok, parce que je fais des vidéos pour le coup à peu près tous les jours. Sur pareil, un peu comme sur YouTube, une thématique, voilà, des petits sujets qui m'intéressent, ou ça dure 3 minutes au maximum, pas très long. Hein. Et parfois, apparemment, on apprend des choses. Donc la communauté commence à grossir et c'est hyper intéressant aussi ce qui se passe, il y a pas mal d'échanges. Donc voilà, suivez-moi partout, SIDUZL sur TikTok. Vous savez déjà, on va commencer par la première catégorie, la catégorie nourriture. Je suis tellement à l'aise, la meuf elle est affalée. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai mis les numéros d'histoire. Comme ça, ça va être un peu plus simple pour vous de choisir. Si jamais vous voulez réagir dans les commentaires au numéro des histoires, il y en aura 18. Ok, j'ai fait des résumés, hein, vous allez voir dans le sur l'image, je ne sais plus où. Du coup, je vous laisse deviner aussi, parce qu'il y aura mes histoires qui sont aussi à l'intérieur de celle-ci. Donc, histoire numéro 1. Alors là, on est sur un lendemain de soirée un petit peu beaucoup arrosé et la personne devait être en déjeuner de famille, donc vous savez, le petit déjeuner du dimanche, le lendemain de la fête du samedi soir, pas mal arrosé. Et en fait, cette personne n'a tout simplement pas survécu après le moment des toasts et elle a vomi. C'est simple, c'est efficace. Je suis désolée pour toi si tu me regardes. Parce que ça, c'est quand même un moment assez compliqué en public. Hein. On est sur de la gêne, mais là, c'est vraiment public, quoi. Là, si vous voulez, c'est affiché. Toute la famille sait que vous avez bu, en fait. On ne peut pas faire semblant. Voilà. Donc, ça arrive. Hein. C'est assez compliqué. J'espère que tu t'en es sorti. Et que la famille, elle n'était pas trop rigide. Parce que c'est plutôt compliqué comme moment à vivre. Surtout le après, quand on revient. Hein, et qu'on est là, genre... C'est bon, on peut reprendre, alors qu'on n'a pas du tout faim. Histoire numéro 2. Cette personne, en fait, ne voulait absolument pas aller dans l'eau pour cause d'esthétisme. Elle avait préparé ses habits. Vous voyez, quand on est bien, on se sent propre, on se sent beau, belle, frais, fraîche. Et en fait, on n'a juste pas envie d'aller dans l'eau, que ce soit pour le brushing, que ce soit pour le make-up, que ce soit pour tout. Et en fait, cette personne mangeait tranquillement une glace et la glace est tombée sur elle, donc le seul moyen en fait finalement de d'essuyer un petit peu et de pouvoir avoir ce truc, c'était d'aller dans l'eau. Mais ça, c'est un truc qui aurait pu m'arriver, très clairement. Le boulet au niveau de la glace, pas au niveau de l'eau, parce que moi si je vois de l'eau et que j'y vais pas, je suis carrément frustrée. Je me sens obligée, c'est un appel de la nature, un lac, une piscine, une mer, j'ai besoin d'aller dans l'eau, c'est plus fort que moi. Troisième histoire, oui, là c'était au restaurant. On a une personne qui me raconte que, en fait, elle voulait absolument manger un steak au restaurant. Et je sais pas si vous vous souvenez, la Paris Hilton des années 2000, elle se baladait partout avec son petit chien, là, je sais même plus, avec sa meilleure amie, la Nicole Richie, je crois. Et donc, c'était les petites bimbos qui venaient avec leur chien. Leur chien, ils avaient une table, une gamelle d'eau à manger, mais humain, mais pour les chiens, enfin, je pense que vous voyez. Et là, c'était un chien un peu plus gros quand même, mais le dernier steak qui était présent sur la carte, bah...
il a été donné pour le chien. On est frustré. Donc là, ça aurait pu clairement m'arriver. On est frustré parce que moi, quand, comme vous le savez, je pense, j'adore beaucoup trop la nourriture. Et alors, l'idée de ne pas pouvoir manger un plat qui n'est pas marqué comme plus sur la carte. Donc, si vous voulez, moi, j'ai prévu de manger un steak frites. Et au moment où je le commande, on me dit « Ah, mais il n'y en a plus », je suis frustrée. Quatrième et dernière histoire au niveau de la nourriture, on a une personne qui me raconte tout simplement qu'elle a voulu tenter l'expérience de manger des sushis à Marseille, donc dans le sud de la France, et que ça s'est pas très très bien passé. Apparemment, en fait, ça a flingué la fin de son voyage, très clairement. Cette personne est tombée malade. Vous savez, ce genre de plat qui vous vaccine, comme si vous mangez une banane... c'est pas passé et de votre vie vous ne pouvez plus manger des bananes parce que ça vous rappelle cette expérience. Et ben là c'est ce qui s'est passé. Depuis, cette personne n'a plus jamais mangé de sushis. Voilà. Donc on arrive à la deuxième catégorie, la catégorie ridicule en public. Histoire numéro 5. Personne m'explique qu'elle était en week-end d'intégration pour l'armée. Et en fait, cette personne explique que son voisin s'est tout simplement endormi. Mais quand je vous dis endormi, morphé là, pris la keblo, elle s'est carrément poser la tête dessus, les genoux, c'est limite s'il n'y avait pas le filet de bave sur l'épaule de la personne en question. Donc c'est un peu ce moment gênant, on ne sait pas si on la réveille, parce que si on ne sait pas sa destination, elle la saute. On ne sait pas si on lui donne un coup de coude pour lui dire « rendors-toi de l'autre côté », est-ce qu'on la déplace. C'est un moment compliqué. Donc c'est pour ça que c'est un peu ridicule en public, parce qu'il y a les autres gens qui voient que vous n'êtes pas en lien avec cette personne, et qui voient tout doucement cette personne tomber dans un sommeil profond. Je ne sais pas comment cette personne l'a vécu, mais ça doit être gênant pour elle aussi. Hein. Autant pour la personne qui me l'a raconté que pour le mec qui s'endormit sur elle, vraiment. L'histoire numéro 6, une balade en quad. Vous savez, la petite balade entre potes pendant les vacances, etc. Et puis en fait, ils ont voulu faire de l'accélération, ils ont voulu faire les malins. Et en fait, ils se sont retrouvés dans l'eau parce qu'ils n'avaient pas bien freiné au bord d'un lac. Voilà, moi j'ai rien à ajouter. C'est qui fait le malin tombe dans le ravin. Je pense qu'à un moment donné, on fait les kékés, on fait les malins, on fait... Et voilà. Histoire numéro 7. Alors là, on a une personne qui était super fière parce qu'elle a eu son diplôme. Et ça, c'est trop chouette, c'est une bonne nouvelle. Personne ne devait payer le restaurant en famille. C'était un peu comme à Paris. Si j'ai mon diplôme, je paye le resto. Cette personne a son diplôme, elle a un restaurant avec toute la famille. Et en fait, dans l'endroit d'avant, cette personne a oublié son téléphone. Mais vous savez, à l'ancienne, quand on avait le téléphone et puis il y avait la coque et il y avait la carte bleue dedans, il y avait les papiers, ben voilà. Donc les parents se sont retrouvés à payer le restaurant. Alors là, on arrive sur les deux histoires qui m'ont bien fait rire au niveau du public. On est sur une grosse chute, toujours à Marseille. Je sais pas ce qu'il y a eu avec cette ville, mais j'ai déjà eu deux histoires avec cette ville. Peut-être qu'il y en a eu d'autres et que ça n'a pas été précisé. Mais en tout cas, toujours à Marseille, la personne, elle est tombée des remparts. Et en fait, ses amis ont tellement eu peur pour cette personne qu'elles ont pensé qu'elle était morte. Et moi, ça me fait rire parce que je connais la personne, pour le coup, bien, qui a écrit cette histoire. Ça m'a fait mourir de rire parce que j'imagine cette personne tomber et j'imagine cette chute devait être ridicule. Histoire numéro 9, on enchaîne sur les chutes mémorables. Donc là, on est près d'une cascade. Donc en termes de public, voilà, on est sur un auditoire, on est sur une réception, un spectacle à ciel ouvert. Et on est aussi sur une chute absolument mémorable. Donc beaucoup de monde, des énormes bleus, des traces, et après ça, cette personne, elle marchait carrément pas de façon naturelle. Vous voyez le genre où vous foulez le pied, vous n'arrivez plus à marcher correctement? Ben on est sur la même chose. Donc ça, on est sur les deux pépites, deux chutes qui se battent en duel. Je trouve qu'on est sur un peu le même type de chute. Ensuite, on a l'histoire numéro 10. Alors là, j'aimerais pas être à sa place. La personne m'explique. Elle était à Saint-Tropez, donc dans le sud de la France aussi. Donc il y a un petit port à Saint-Tropez, c'est une ville bien réputée, c'est une ville plutôt luxueuse, donc où les gens s'habillent bien, etc. Il y a pas mal de yachts. Et puis il y a cette personne qui explique qu'elle est venue un peu jogging, tout ça, pas du tout dans le thème de la ville. Et ça déjà, ça me fait trop rire. Et en gros, elle prenait des photos avec l'appareil photo de ses parents et elle l'a fait tomber dans l'eau. Tout le monde l'a vu, toutes les personnes aisées, etc. ont dû la juger à 1000%. Et en plus, ses parents étaient totalement dégoûtés parce que toutes les photos des vacances d'avant, il n'y avait plus. Toutes les photos des vacances qu'ils venaient de faire n'avaient plus. Et puis tout simplement, ils n'avaient plus d'appareils photo pour le reste du voyage. Donc c'était l'époque où on avait des appareils photo hein, pour faire des photos, parce que c'est vrai que maintenant, on fait beaucoup avec notre téléphone, mais avant, on était plus là-dessus. Vous savez, l'époque de la pellicule, tout ça. Désolé pour les jeunes qui nous regardent, mais ça nous est arrivé. Donc c'est un truc qui flingue un petit peu les vacances, hein, mais comme on dit, avec le temps, mieux vaut en rire. Hein. 11e histoire, et c'est la dernière par rapport à la catégorie ridicule en public.
Tout simplement, en fait, la personne, elle n'arrêtait pas de marcher, de visiter, etc. Et la lanière de sa chaussure, donc je pense une sandalette, a lâché tout bonnement. Donc déjà, elle s'est cassée la figure en marchant. Et puis après, c'est ce moment où qu'est-ce qu'on fait? On se balade à pieds nus, on se balade à cloche-pied, on enlève une chaussure, on enlève les deux. Voilà, c'est un gros moment aussi de gêne et surtout désagréable. Parce que alors, pour le peu qu'on est dans des cailloux, je ne sais où, il faut marcher beaucoup. Mais après, quelle idée d'aller marcher en sandalette? J'espère vraiment que c'était pas l'ascension de je ne sais quoi, parce que c'est pas les chaussures les plus pratiques. Moi, je passe ma vie en basket, donc c'est pas un problème qui pourrait m'arriver. Mais c'est vrai que ça, c'est embêtant. Quand on veut être un peu mignon avec ses petites chaussures et que ça pète, ou des talons, c'est comme un talon qui casse. Ça, franchement, ça nous énerve. Et je comprends. J'espère vraiment que t'as pas eu trop mal aux pieds, parce que alors là, faire des kilomètres avec une chaussure à moitié faite, ou puis on n'a pas toujours du scotch, hein, des fils ou je sais pas quoi sur soi. Donc ça, c'est problématique. Là, on arrive dans l'avant-dernière catégorie, gêne en solo, en solitude. Donc, 12e histoire. Là, c'est une personne qui m'explique qu'en Tunisie, quand elle était adolescente, elle a fait des tresses et du henné et que c'était complètement raté. Voilà, il n'y a pas plus à rajouter. Je suis déçue pour toi. Je suis désolée pour les photos que tu as dû faire avec ce résultat catastrophique. Il y a trop de charlatans dans ce genre là en vacances. Soi-disant typique de l'endroit où tu es, alors qu'en fait c'est juste un attrape-touriste. Faites gaffe à ça quand même, hein, parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui gonflent les prix, qui en fait en termes de prestations ne sont pas bons. Ça, faites vraiment attention, parce que les endroits trop touristiques, c'est où vous trouvez généralement à rien fait sur place, vraiment. C'est ça qui est le plus dommage, quoi. Histoire numéro 13. Là, on a juste un couple qui s'est embrouillé, en fait, avant de partir de la villa qu'ils avaient louée, parce qu'ils allaient je ne sais où. Et en fait, je pense que c'est au restaurant. Enfin, en tout cas, ils sortaient sur l'extérieur, ils se sont tellement embrouillés qu'ils ont claqué la porte, etc. Et ils ont oublié de fermer à clé, en fait. Et ils se sont fait cambrioler. Et ça, je pense que ça, vous avez dû douiller, hein, parce que je ne sais pas ce qu'ils ont pris. Mais là, en plus, c'est un truc que vous louez, donc c'est un genre Airbnb. Ça pue. Franchement, c'est moyen. C'est moyen pour vous, c'est moyen. Puis c'est dans ces moments-là où on se dit pourquoi on s'est embrouillé, pourquoi si. On se rend compte que c'est tellement futile d'en arriver là et que ça finisse comme ça, c'est tellement dommage. Comme je dis toujours, hein, mieux vaut que ça soit matériel que humain, mais ça fait chier. 14e histoire. Alors là, j'ai sélectionné celle-ci parce qu'elle m'a vraiment intéressée. Parce qu'en fait, on parle d'une personne qui était dans un club, vous savez, les clubs type Club Med, Club Marmara, machin, les clubs de vacances avec les gros hôtels, etc. Elle avait une vingtaine d'années, la personne. Et en fait, il y a un animateur du club qui voulait absolument, je sais pas, la draguer, sortir avec elle. Et en fait, cette personne s'est sentie obligée parce que le non, non, je suis pas intéressée, non, n'a pas suffi. Elle s'est sentie obligée de se faire passer pour une personne lesbienne pendant plus de 10 jours. Bah, tout le temps de son voyage, en fait. Ça me rend ouf, putain! Il y a toujours quelqu'un. Ce qui me rend ouf, c'est qu'on soit obligé. En fait, ça me rend folle. On soit obligé de mentir parce que le consentement n'est pas respecté. En fait, le non n'est pas respecté. Quand on vous dit non, c'est non. Je comprends pas, en fait. Et j'avais besoin de refaire un point là-dessus, parce que ça arrive beaucoup trop souvent, que ça soit en boîte de nuit, dans un magasin, par texto, sur les réseaux sociaux. En fait, si la personne, elle vous dit non, même si vous trouvez ça pas crédible, même si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas à tergiverser pendant 3 heures, en fait. Quand je me rends compte que une partie de ses vacances ont un petit peu été bousillées, parce qu'on va pas se mentir, elle avait un crush, donc elle était... Elle avait le béguin, elle voulait flirter avec une personne et elle n'a pas pu parce que cette personne, il y a un gars qui était absolument insistant avec elle. Et que ça soit homme, femme, non-binaire, on s'en fiche, peu importe le genre. Si on vous dit non, c'est non. Et ce que je comprends pas, c'est que non ne veut pas dire oui, ne veut pas dire plus tard non. Et je trouve ça important, cette histoire, vraiment, elle m'a marquée parce que c'est encore trop présent aujourd'hui. Je comprends pas qu'il y ait besoin d'en arriver là, qu'il faille faire tout ça. Parce que quand on dit non, c'est pas suffisant. Non, ça veut pas dire peut-être ce soir. Non, ça veut pas dire quand j'aurai 4 grammes dans le sang. Non, ça veut pas dire peut-être demain. Peut-être que si tu forces, ça veut dire oui. Bref, je trouvais ça intéressant de pouvoir en parler parce que je trouve que c'est encore beaucoup trop présent. Et les piqûres de rappel ne font jamais de mal. Voilà, c'est cadeau, c'est pour moi.
Ensuite, on a l'histoire numéro 15. Alors ça va, elle se termine bien. Mais en fait, on est sur une personne qui a loué un Airbnb. Et en fait, quand elle est arrivée, elle s'est dit, on va se faire agresser. Ça va être le prochain film d'horreur à la mode. Mais apparemment, tout s'est bien passé. Mais sur le papier, quand ils sont arrivés, ça faisait un petit peu film d'horreur. Heureusement, il s'est rien passé. Et enfin, la dernière histoire de la catégorie gêne en solo. En fait, je ne sais pas si vous connaissez Bom Jesus, c'est une ville au Portugal qui est connue pour son essence spirituelle, un peu comme Lourdes en France, donc comme Rome pour les chrétiens en Italie. Donc c'est vraiment une ville qui est réputée pour ça. Il y a une grosse cathédrale, il me semble, et il y a plein de marches à monter. Donc c'est pas un pèlerinage, mais voilà, c'est tout comme, c'est un chemin spirituel. Et en fait, la personne, elle explique que son père, en fait, il voulait tout simplement pas monter les marches. Du coup, il les a attendus en bas, assis à l'ombre sur le côté. Et la personne et sa maman, ils ont monté les marches pendant que lui, il attendait tranquillement en bas et il était tout heureux comme ça. Mais voilà, je trouvais ça assez mignon et assez drôle parce que c'est pas une grosse gêne, mais en même temps, c'est mignon. C'est le côté, ouais, allez-y les enfants, je vous rejoins. Non, mais papa vous attend là. C'est un peu cette idée-là. Enfin, au niveau de la dernière catégorie, alors, je ne savais pas trop comment appeler ça, donc j'ai appelé ça Minute Intégration. Parce que c'est les deux dernières petites histoires qui se ressemblent un petit peu. C'est pour ça que je l'appelle Minute Intégration, vous allez vite comprendre pourquoi. En fait, l'histoire numéro 17, c'est une personne qui explique qu'elle a été prise pour une personne danoise, en fait. Donc, si vous ne savez pas, en général, je dis bien en général, les Danois sont des personnes, et comme beaucoup de personnes des pays nordiques comme la Suède, la Norvège, la Finlande, le Danemark, voilà, c'est souvent des grandes personnes blondes ou châtain clair, aux yeux bleus ou aux yeux clairs. Et du coup, cette personne ressemble à ça. Et en fait, on lui a carrément parlé danois, etc. Et c'était un grand moment de solitude, puisque c'était pour commander au bar. Et en fait, la personne d'office, elle lui a répondu en danois. Et était comme ça, vraiment avec les grands yeux, genre, la femme. Je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce qu'on peut me parler dans une langue que je connais? L'histoire numéro 18, c'est la même chose. Mais c'est à Cuba. Donc la personne, pareil, on l'a prise pour une personne locale. Donc on est parti à lui parler en espagnol, mais cubain. Pareil, grand moment de solitude, sachant que la personne ne parle pas la langue. Donc c'est deux moments de solitude, je trouve, qui se ressemblaient un petit peu et ça m'a fait rire. J'espère que les histoires d'aujourd'hui vous ont plu. C'était un petit peu plus léger. Moi, ça m'a fait plaisir de lire vos petits déboires de vacances. En tout cas, moi, je vous souhaite de merveilleuses vacances, qu'elles soient chez vous ou ailleurs. Peu importe. Si vous n'êtes pas encore parti, tenez le coup, on y est presque. Si vous êtes déjà parti, écoutez, j'espère que vous avez bronzé et apprécié. N'hésitez pas à mettre en commentaire où vous êtes parti, où vous allez partir, hein, toujours. Moi, j'apprécie vous répondre. N'hésitez pas aussi à commenter les histoires, les numéros, etc. Et à commenter aussi s'il y en a une qui vous fait penser à moi. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Moi, je vis ma meilleure vie sur mon trône, très clairement. Je profite. Je mange du jambon comme ça, du foie gras comme ça. Désolée pour les véganes et les végétariens. Sinon, il y a aussi énormément de fruits et de légumes. Voilà, mais en tout cas, la vie est belle, la vie est douce. Je profite. Je pense fort à vous et je vous dis à samedi prochain. Prenez soin de vous.